La conscience, Victor Hugo. Lorsqu'avec ses enfants, vêtus de peau de bête, échevelés, livides au milieu des tempêtes, Caïn se fut enfui de devant Jéhovah. Comme le soir tombait, l'homme sombre arriva au bas d'une montagne en une grande plaine. Sa femme, fatiguée, et ses fils, hors d'haleine, lui dirent « Couchons-nous sur la terre et dormons ». Caïn, ne dormant pas, songeait au pied des monts. Ayant levé la tête, au fond des cieux funèbres, il vit un œil tout grand ouvert dans les ténèbres et qui le regardait dans l'ombre fixement. « Je suis trop près !» dit-il avec un tremblement. Il réveilla ses fils, dormant, sa femme, lasse, et se remit à fuir, sinistre, dans l'espace. Il marcha 30 jours, il marcha 30 nuits, il allait, muet, pâle, et frémissant au bruit, furtif, sans regarder derrière lui, sans trêve, sans arrêt, sans sommeil. Il atteignit la grève des mers dans le pays qui fut depuis Assur. Arrêtons-nous, dit-il, car cet asile est sûr. Restons-y, nous avons du monde atteint les bornes. Et comme il s'asseyait, il vit dans les cieux mornes l'œil à la même place, au fond de l'horizon. Alors il tressaillit, en proie au noir frisson. « Cachez-moi !» cria-t-il, et le doigt sur la bouche, tous ses fils regardaient trembler l'aïeul farouche. Caïn dit à Jabel, père de ceux qui vont sous les tentes de poils dans le désert profond, étend de ce côté la toile de la tente, et l'on développa la muraille flottante, et quand on l'eut fixée avec des poids de plomb. Vous ne voyez plus rien, dit Silla, l'enfant blond, la fille de ses fils, douce comme l'aurore. Et Caïn répondit, « Je vois cet œil encore. Jubal, père de ceux qui passent dans les bourgs, soufflant dans des clairons et frappant des tambours, cria, « Je saurais bien construire une barrière !» Il fit un mur de bronze et mit Caïn derrière. Et Caïn dit, « Cet œil me regarde toujours. » Enoch dit, il faut faire une enceinte de tours si terrible que rien ne puisse approcher d'elle. Bâtissons une ville avec sa citadelle. Bâtissons une ville et nous la fermerons. Alors, Tubal Caïn, père des forgerons, construisit une ville énorme et surhumaine. Pendant qu'il travaillait, ses frères, dans la plaine, chassaient les fils d'Enos et les enfants de Seth. Et l'on crevait les yeux à quiconque passait. Et le soir, on lançait des flèches aux étoiles. Le granit remplaça la tente au mur de toile. On lia chaque bloc avec des nœuds de fer. Et la ville semblait une ville d'enfer. L'ombre des tours faisait la nuit dans les campagnes. Ils donnèrent au mur l'épaisseur des montagnes. Sur la porte, on grava « Défense à Dieu d'entrer !» Quand ils eurent fini de clore et de murer, on mit l'aïeul au centre en une tour de pierre. Et lui restait lugubre et hagard. « Oh, mon père, l'œil a-t-il disparu ?» dit en tremblant Silla. Et Caïn répondit, « Non, il est toujours là. » Alors il dit, « Je veux habiter sous la terre, comme dans son sépulcre, un homme solitaire. Rien ne me verra plus, je ne verrai plus rien. » On fit donc une fosse. Et Caïn dit, « C'est bien. » Puis il descendit, seul, sous cette voûte sombre. Quand il se fut assis,
sur sa chaise, dans l'ombre, et qu'on eût sur son front fermé le souterrain. L'œil était dans la tombe et regardait qu'un...